Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 17 novembre, puis il est 7h30, je pense. Ouais, 7h30 le matin. Au départ, j'étais supposée faire la grasse matinée ce matin. Mon chum m'avait dit qu'il allait s'occuper de Lionel là, quand il allait revenir du travail et tout. Mais c'est ça, finalement, Léo, il vient comme juste se réveiller pour boire son premier biberon. Puis c'est ça, je suis comme vraiment réveillée. Fait que ça me tient, une fois que je suis levée, je trouve ça difficile d'aller me recoucher. Fait que tant qu'à ça, je reste éveillée là, parce que c'est ça, j'étais allée changer la couche à Léo, j'y ai donné son biberon. D'ailleurs, il a bu toute son avance, puis il a fallu que j'y prépare un autre biberon aussi parce que il avait encore soif. Fait que j'y ai fait comme un 120 ml, puis il en a bu la moitié. Fait que là, lui, il refait dodo, puis moi, je suis réveillée. Fait que j'en ai profité pour écrire à mon copain. Puis j'ai demandé si ça y tentait qu'on mange du Tim Hortons. Lui, je sais pas s'il va se prendre quelque chose, en fait, parce que, tu sais, lui, c'est pas son déjeuner. Il est comme rendu à son souper, même qu'il a probablement souper déjà, parce qu'il travaillait de nuit, en tout cas. C'est ça, je pense qu'il va arrêter de me chercher du Tim Hortons. Puis là, je me suis dit, ah, ça pourrait être le fun qu'on écoute Occupation double, parce que là, on l'a pas encore, on l'a pas écouté de la semaine encore, fait que ça pourrait être plaisant. Ouais, puis c'est ça, mon chum, il m'avait fait une cachette depuis comme plusieurs semaines, peut-être même mois, je sais pas trop. Il y a des fois où il me disait qu'il allait, mettons, faire de l'over ou qu'il allait à telle place. Puis en fait, il allait passer des entrevues puis des tests parce qu'il y a eu une grosse... ben, c'est pas une augmentation, là. Dans le fond, il change de poste complètement. Puis il va devenir infographiste pour la compagnie pour laquelle il travaille. Fait que, tu sais, en ce moment, il était comme dans l'usine. Il était décortiqueur, que ça s'appelle. Il travaille dans une imprimerie. Fait que, tu sais, il s'occupait comme de couper les boîtes, puis tout ça. Puis là, dans le fond, il va devenir infographiste. Donc, c'est lui qui va faire le graphisme des boîtes. Fait que c'est vraiment malade. Je suis tellement fière de lui. Fait que c'est ça, dans le fond. Ça commence pas tout de suite, parce qu'il faut qu'il aide comme à former les nouvelles personnes qui vont le remplacer. Mais une fois que ça va commencer, ça va être de nuit encore, mais ça va être de 8h à 4h. Ça va être des 8h, dans le fond, en place d'aller 12h. Ça va être 5 jours semaine. Fait que je suis super contente. fait que c'est là, ce matin, la rumeur a commencé à se répandre. Là, fait que il se faisait serrer la main. Oh! Copino? Comment ça va, Copino? Didi Hortons. Tu t'es pris quelque chose, toi? Oui. Oui? Je me demandais si t'allais prendre quelque chose vu que t'étais... souper, déjeuner... J'ai pris quelque chose. T'as pris quelque chose. Merci.
c'est ça, la dernière fois que je vous ai parlé, c'est quand mon chum est arrivé avec notre lunch, je crois. Fait que c'est ça, j'ai mangé, je prends toujours un bagel petit matin, BLT. Fait que j'ai pris ça avec un muffin aux pépites, puis un cappuccino glacé mocha. Je pense que mon chum a pris un wrap du travailleur, quelque chose comme ça. Fait qu'on a mangé ça en écoutant Occupation Double. On a écouté toutes les émissions de la semaine passée. Lionel s'est réveillé éventuellement, fait que on a joué un petit peu avec lui aussi. Puis ensuite, ben, mon chum et mon bébé sont allés se coucher. Puis Lionel, il fait encore dodo. Il est allé se coucher vers 11h moins 4 environ, 11h moins 10. Puis il fait encore dodo. Puis il est 2h moins 20. Fait que ça fait un bon moment qu'il dort, mais tu sais, ces temps-ci, vu qu'il y a eu une otite puis un petit virus, il dort vraiment beaucoup. Puis aujourd'hui, il a pas mangé encore. Quand j'ai voulu lui donner à manger tantôt, il voulait vraiment pas. Il a juste accepté de boire du lait. Fait que c'est ça. Là, moi, vu que mes hommes étaient allés se coucher, j'en ai profité. J'ai parti me brasser de lavage. Puis je me suis aussi entraînée. Fait que c'était un vidéo de bras aujourd'hui. Fait que j'ai fait ça. J'ai aussi fait du cardio. J'ai fait de la danse. Ça l'a vraiment fait du bien parce que cette semaine, je me suis pas... Je pense que je me suis pas entraînée cette semaine. J'étais pas capable de me réveiller le matin. Je me suis réveillée presque en retard toute la semaine. C'est genre d'habitude, je me lève vers 5h. Je m'entraîne, je déjeune, je m'occupe du bébé et puis tout. Puis... cette semaine, je me réveillais genre à 7h moins quart. Ça fonctionnait vraiment pas mon affaire. Fait que, ouais. Ça me semble que ça m'a fait du bien aujourd'hui de me rentraîner. Je suis bien contente. Fait que c'est ça là. Aussi, ce que je viens de faire, c'est que je viens d'aller partir le foyer en bas. Je viens d'aller allumer un feu. Puis je voulais aller voir aussi pour les décorations de Noël, mais je les trouve pas. Fait que je me demande si ma mère les a pas enlevées puis apportées à l'autre maison. Mais je suis comme pas certaine, parce que d'habitude, ils étaient comme dans le rangement sous l'escalier. Mais là, j'ai rien trouvé. Parce que je voulais mettre un petit sapin dans le fond sur le meuble qui est là. En tout cas, là où il y a la tête de lion. Je mettrais probablement un petit sapin. Vu que Léo est vraiment en mode genre exploration puis vider tout ce qu'il voit, ben là j'ai peur que si je fais un gros sapin, qu'il va juste comme le faire tomber. Ça puis les chats. Les chats sont vraiment les rois du défaisage de sapin. Fait que c'est pour ça que je voulais en faire un petit, mais je le trouve pas. Fait que je vais peut-être contacter ma mère ou je vais peut-être aller m'en chercher un. Hein. Je sais pas trop. Là, je suis comme en mode relax un petit peu. J'étais supposée aller à la pendaison de crémaillère d'une de mes collègues et amies. Mais finalement, je pense que j'y irai pas. Parce qu'on était supposés être 5 ou 6. Du travail à y aller, mais là finalement, dans le fond, tu sais, il y a mon amie Véro, que c'est sa maison à elle, il y a une autre de mes amies qui est enceinte en ce moment, fait que, puis elle est due genre la semaine prochaine, fait qu'elle savait pas si elle allait y aller ou non. Mon amie Steph peut pas y aller, mon amie Rose savait pas trop, ça dépendait de son chum parce qu'il était à chasse. Fait que là, il reste moi puis une autre de mes amies. Mais, tu sais, on veut comme pas y aller puis être toute seule. Parce que, tu sais, sinon, ça va genre être de la famille à Véro puis de ses amis, genre, de ses amis proches, là. Tu sais, dans le fond, sa gang d'amis qui est pas du travail. Fait que tout le monde va se connaître sauf nous. Fait que, je pense pas y aller puis on va sûrement faire quelque chose d'autre. À la place, là, juste les filles du travail. Puis
c'est ça. Parce qu'au début, j'étais supposée avoir la pendaison de crémaillère. Puis mon chum, lui, avait un souper. Ouais. Une de ses amies d'enfance les a contactés la semaine passée, je pense, ou l'autre d'avant. Je dis les a contactés parce qu'elle a demandé, genre, à mon chum puis ses deux frères s'ils voulaient faire un souper. Fait que c'est ça, ce soir, mon chum, ses deux frères vont aller chez leur ami avec son chum à elle puis son enfant, en tout cas, je sais pas trop. Fait que je vais probablement rester ici puis m'occuper du beau Léo. Parce que il fait vraiment beaucoup de dos ces temps-ci. Fait que probablement qu'à vers 6h30 encore à soir, il va être brûlé, ben raide. Fait que. Tu sais, au début, il était supposé aller au souper avec mon chum. Moi, j'étais supposée aller à la pendaison de crémaillère, mais. Je pense que je vais le garder avec moi. Il est où mon nez? Il est où mon nez? Montre le nez à maman. Oui, nez! Il est où ma bouche? La bouche qui donne des billes? Elle est où la bouche? Bouche. Il est où le front? Le front. Bravo! Rendu 5h15, Lionel, c'est très, c'est amusé beaucoup dans la cuisine tout à l'heure. Je l'ai laissé un petit peu explorer dans le garde-manger. Fait que c'est ça, il m'a fait un petit dégât, mais c'est pas grave. Puis là, on est en train de souper. Fait qu'on a un Lionel ici qui a mangé un des petits repas là, que j'avais acheté hier chez Walmart. Qui venait dans un petit contenant comme ça. Fait que c'était celui au macaroni au fromage. Il l'a tout mangé. Fait qu'il y avait du macaroni au fromage, des pois et des carottes. Puis il a trouvé ça vraiment bon. Il a même essayé de piquer quelques petits morceaux avec sa fourchette. Puis d'ailleurs, il en a ramassé quelques-uns. Il était champion. Moi, je mange de la soupe.
Fait que c'est la soupe bœuf texan barbecue, quelque chose comme ça, avec des légumes et de la trempette. C'est ça, mon chum, il est parti vers 4h30 pour son souper. Puis, c'est ça, mes amis, finalement, j'ai au moins une de mes amies qui y allait ce soir, comme à la pendaison de crémaillère. Mais, ouais, je suis comme trop fatiguée, puis Léo, il est malade, puis ouais, ça me tentait de rester à la maison avec lui, je dois l'avouer, là, mon petit cœur de maman, il filait pas trop de le laisser à la maison. Fait que je vais rester avec lui, puis de toute façon, je suis fatiguée, fait que je vais probablement me coucher quand même de bonne heure. Lionel est couché. Puis moi, je viens de plier et de ranger deux brassées de lavage. Puis là, je vais plier ma brassée de couche que j'avais fait en milieu de semaine, je pense. Fait que je vais plier ça. Puis là, je viens de partir une autre brassée de couche. Ouais. Fait que je pense que je vais plier ma brassée en écoutant Grey's Anatomy. J'écoutais Grey's Anatomy pendant que je pliais mon linge, fait que je pense que je vais continuer mon épisode. Ça rend le tout beaucoup moins long et plat. Pyjama puis me coucher, puis j'ai oublié ma caméra en bas, fait que je vais vous dire salut avec mon téléphone. Ouais, j'ai vraiment pas fait grand chose de ma soirée. J'ai plié mes couches, j'ai fait du ménage à mon ordinateur, j'ai exporté un vlog, j'ai écouté un Grey's Anatomy, puis là je vais me coucher. Fait que je vais vous dire un beau gros merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle nuit. Puis on va se revoir bientôt. Bye!